Tu veux que je rentre en France avec toi? Juste parce que t'es malade. Je suis sûr que t'as fait exprès de tomber enceinte. Oh oh Alice yeah Regardez-moi, mon petit. C'est Sam, pas vrai? Oubliez-le. Qu'est-ce que vous faites là? Efate, Port Vila. Ensuite, on descend dans le sud. Tana. Alors, voilà. Tana, nous, on va arriver là, à Lenakel. Et la tribu des Trois Mondes, il me semble qu'elle est par là. Non, la tribu des Trois Mondes, ici. Ah oui, 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 je confondais. Ok, d'accord, bon. Autant pour moi. Donc, maintenant, les inconsolables. Alors, les inconsolables, ils sont sur l'île du Vent. Alors, l'île du Vent... Oui, voilà, là, entre Aniwa et Tana. Alice. Mmh. Alice. Où est-ce que vous êtes encore envolé? Nulle part, je suis là. Vous voulez pas redescendre un peu sur Terre, même si c'est à mes côtés. On a un super objectif. On va être les premiers à rencontrer cette tribu insaisissable. Ça vaut le coup, non? Mmh. Écoutez, ce qui s'est passé avec Sam, ça vous a bouleversé. Et là, vous avez mal à crever. Bon. Mais il est parti. Vous devez penser à vous, maintenant. Oh, Alice, mon petit. Vous me faites peur. Vous l'aimez toujours. Mais de quoi je me mêle, là? Ça vous regarde pas, ça? Me faites pas plus mauvais que je ne suis. Je tiens à vous. Mais je tiens aussi à m'assurer que vous n'allez pas craquer. Écoutez, je vous l'ai dit 100 fois, déjà. Ce projet, c'est ma priorité, et je vais pas laisser tomber. Y a rien ni personne n'en empêchera. Bien. Bien. Alors, Amy Kaka est fini. Quoi? Amy Kaka est fini, c'est du bichlamar. Bah oui. Et alors, c'était bon? Quoi, c'était bon? Bah, vous me dites que vous avez fini de manger, donc je me demande si c'était bon. Non, bon, ok, d'accord, allez. C'est l'heure de la récré. Allez faire un petit break. Merci. Je vais aider à rentrer le bétail, donc si ça vous dit, vous êtes le bienvenu. Quant à toi, ma belle, tu vas me rendre célèbre et riche. Quand on veut prendre la place de quelqu'un, c'est pas ses pieds qu'il faut mettre sur la table, c'est ses tripes. Ok. Ok.
Clément ! Ah, il est prêt, hein ? Clément, on a un problème. Il y a Sam qui est en train de débarquer. Je comprends pas que ma soeur ait pu le voir, lui. Non, j'en sais rien. En tout cas, il débarque. Ok, je m'en occupe. C'est un nuisible, hein ? Je m'en occupe. Bien. Bien. Vous êtes un journaliste ? Ouais. Allez. Bon, vous y allez doucement, hein, parce que c'est une carne. N'inquiétez pas, hein. J'en ai maté d'autres. Allez, en beau. Bon, je vais aller voir si Alice, elle fait pas du cheval. Va voir à la maison, toi. C'est là-haut. À tout à l'heure. Nom de Dieu! Je savais pas que c'était monter à cheval, professeur. Un scientifique est amené à savoir faire pas mal de choses, vous savez. Salut Clément, ça va? Faut que je parle à Alice. Ma sœur, elle est pas là. Elle est sur Nouméa. C'est pas possible, c'est pas encore la pleine lune. On devait partir avec l'objet coutumier. Mais écoute, ça s'est passé plus vite que prévu. L'objet, elle l'a récupéré, puis elle est partie. Clément, faut que je lui parle, c'est important. T'as pas l'air de comprendre ce que je viens de te dire. Ma sœur, elle est pas là. Toi, ta place, elle est pas ici. C'est une propriété familiale, là. T'as rien à faire, là. S'il te plaît, il faut que je la voie. Will, tu peux le bouger, s'il te plaît? Ok, pas de problème. Des murs de mon amour murmurent à mon écho. Ce vrai de mon amour, je t'aimais, ça me tue. Je t'ai vu, je l'ai cru. Mon cœur est à la rue, je n'en ai pas voulu. Des murs de mon amour murmurent à mon écho. Ce vrai de mon amour, je t'aimais, ça me tue, je t'ai vu, je l'ai cru. Mon cœur est à la rue, je n'en ai pas plus. Un peu d'omillage. Faites-moi plaisir, dites-moi oui. Oui. Bilou, allez vous asseoir. On commence à avoir faim. On y va. Alors, Mia, racontez-nous dans votre séjour dans la tribu des Trois Mondes. Mais certainement pas. Il est absolument inutile de remettre ça sur le tapis. Et qu'est-ce que je suis censé faire, Stéphane? Oublier ces gens qui m'ont sauvé, qui m'ont accueilli? Les tribus du Vanuatu sont des tribus hyper intéressantes. C'est ma spécialité, le Vanuatu. Et d'ailleurs, avec Alice, on a une expédition en cours pour aller trouver la tribu des Inconsolables. Mais vous savez très bien que cette tribu n'existe pas. C'est un mythe. Je sais de quoi je parle. Bien sûr, oui. Et je suis prêt à jouer ma réputation d'ethnologue là-dessus. La tribu des Inconsolables existe bel et bien. Eh bien alors, monsieur le grand professeur mythomane, dites-nous donc, que savez-vous de cette tribu? Justement, pas grand-chose. Pas grand-chose. Le mystère entretient le mythe. Mais vous savez quoi? Alice et moi, on a une idée. On va aller les trouver, on va en savoir plus. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mais c'est très bien. Allez-y. Ils seront certainement ravis. Certainement plus inconsolables après ça.
Alice. Clément. Je te jure que c'est terminé avec Victoria. Tu dois croire en moi. Je te l'ai dit, je suis venu ici pour oublier mon passé. Et je t'ai rencontré. Au début, je te connaissais pas, mais maintenant, je veux connaître que toi. Et... je viens d'apprendre que Victoria est enceinte. Je te jure, je le savais pas. Je voulais que ça se passe autrement entre nous deux. Je voulais qu'on ait notre chance. Je suis désolée, Sam, mais tu te fais un film, en fait. C'est-à-dire qu'entre nous, il y a rien. Je ressens rien pour toi. C'est dommage que tu vas devoir rentrer chez toi. Alice. Alice, tu vas où là? Écoute ma sœur, s'il te plaît, tu pars. Alice! T'as entendu ce qu'elle a dit, ma sœur, tu pars maintenant. Allez. Allez. S'il te plaît. Allez. Qu'il est magnifique. Si, c'est beau. Il est sublime. Hein. Et c'est ce qui est dingue, viens voir. C'est que là, en fait, il a pris la foudre. Je sais pas si tu vois, c'est tout brûlé là. Et malgré ça, il a continué à pousser. C'est comme s'il avait une deuxième naissance. Et qu'est-ce que tu fais là? Quoi, ça? Ouais. Ça, en fait, c'est des petits miroirs de lune. En fait, il y a une légende qui dit que la lune est vraiment très très fière, et que lorsqu'elle est pleine, donc dans 2 jours, elle aimera contempler son reflet dans les miroirs. Elle sera tellement heureuse que c'est là qu'elle déposera mon objet coutumier. Tu me files un coup de main? Ouais, si tu veux. Il y a une autre légende qui dit aussi que si tu regardes attentivement dans les miroirs de lune, tu apercevras le visage de celui que tu aimes. Quoi, tu me crois pas? Si, 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 si. Vas-y, regarde. Non. De toute façon, je sais très bien que j'y verrai rien. J'en ai marre de me prendre la tête pour quelque chose qui arrivera jamais. Je m'en fous, ma tante du passé. Ouais, je sais. Léo, je l'adore, mais Dieu sait qu'en amour, c'est un gros bleu. Et en parlant de ça, tu pensais vraiment ce que t'as dit à ça, madame? Oui. Même après tout ce qui s'est passé? Oui. C'était un petit moment de faiblesse, c'est tout. Tu vas, Alice? Ah oui, j'arrive.
Je sais que t'étais pas sincère tout à l'heure. Je t'ai pas tout dit sur moi. J'ai toujours été honnête avec mes sentiments. Honnête? Sam, sois honnête avec toi-même déjà. Tu vas avoir un enfant, tu vas être papa. C'est tes responsabilités, ça. C'est pas prendre à la légère, hein. C'est une autre vie. Elle va faire quoi, Victoria? Elle va s'en occuper toute seule de son gamin? À trouver une solution. J'étais pas au courant. Ok. C'est moi qui vais être sincère maintenant. En fait, moi, je t'ai rien demandé. Hein. C'est toi qui es venu me chercher. T'as bien vu, au début, je voulais pas, mais je me suis rendu compte que peut-être tu pourrais être utile. Donc j'ai laissé faire, c'est tout. Je pensais qu'à mon projet, moi. Je te crois pas, c'est pas possible. C'est pas toi qui parles. Ah bon? Bah, écoute, je peux pas te dire, hein. Il y a quatre trucs qui m'intéressent. Trouver la tribu des inconsolables. Et connaître la dernière volonté d'Alex. C'est tout. Tu m'intéresses pas, Sam. Tu comprends ça? Vous êtes des malades. Vous avez volé la voiture de Clara. T'as oublié ça. Et ça aussi. Comment t'as pu me faire ça? Merci pour le voyage. Rien, copain. Qu'est-ce que tu fais là? J'adore ton accueil, il est... comment dire... chaleureux, non? Ouais, c'est ça. On a passé une journée de merde, là, tu vois? On a marché pendant des heures. Fais du stop pour venir ici. Quand Sam, il est parti, Victoria, elle a pété les plombs, tu vois? Super. Tu pourrais au moins faire semblant d'être contente. Pourquoi je ferais semblant? Si je suis partie, c'est parce que j'ai plus envie de te voir. Mais attends, je suis pas venu pour toi. Je te rassure. Je suis venu pour Alice. C'est mon amie. T'as une drôle de façon d'aider tes amis, toi. Elle va être super contente de voir Victoria ici. Et le père Watson. Il sera ravi de voir son ex. Comme d'habitude, tu fais tout de travers. Je suis venue jusque là pour te dire que je t'aime et que je suis enceinte de toi et toi tu m'abandonnes comme ça toute seule en tribu. Non, je t'ai pas abandonné. Mais si. Non. Je serais venue te chercher. Mais il fallait que je voie Alice. J'ai pas envie de parler d'Alice, s'il te plaît. J'ai juste besoin de savoir où on en est, nous. Vic, je te l'ai dit mille fois. Il n'y a plus de nous. C'est terminé tous les deux. Tu comprends? Mais c'est plus pareil, ça. On est trois maintenant. Regardez-moi ces deux-là. C'est clair qu'ils doivent se retrouver, leur histoire n'est pas terminée. Ils ont un avenir. Ils ont un avenir alors que moi je suis dans le passé. Non, mauvaise analyse, Alice. Aujourd'hui, vous avez une légende à écrire, c'est ça votre avenir. Sam et vous,
Vous êtes à l'endroit précis où vos chemins se séparent. C'est la vie. Ce bout de bois, il peut te paraître ridicule. C'est la chose la plus précieuse que je possède. Aujourd'hui, tu vas retrouver quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un que j'aime? C'est Alex que tu vas retrouver.